Quand est-ce que ça va s'arrêter, ces histoires de chaises? Connaissez-vous les LEGO Serious Play? C'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Nous allons en apprendre un petit peu plus sur cette gamme cachée qui est sortie en 2002. Je vais vous expliquer tout ça. C'est un petit sujet aujourd'hui. Ça me faisait plaisir d'aborder ce petit sujet avec vous. Aujourd'hui, on va parler de ce genre de choses, les LEGO Serious Play. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une boîte, hein, bien évidemment. Ouh, la luminosité qui est partie. J'ai acheté une petite boîte de LEGO Serious Play pour pouvoir vous présenter tout ça. Il y a autre chose aussi. Et ça me permet de vous rappeler que mi-décembre sort une vidéo extrêmement importante. Pour moi, pour vous, pour l'ensemble de cette communauté que nous formons, donc qui est l'annonce de ce gros projet que je vous tease déjà depuis un mois. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des LEGO Serious Play, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi les LEGO a sorti ça, etc. Et on va y aller, c'est parti, qu'est-ce que LEGO Serious Play? Bon, après cette petite transition vlogging, je vous explique un petit peu ce que c'est LEGO Serious Play. LEGO Serious Play, c'est une gamme, une sous-marque de la société LEGO, donc ça lui appartient bien évidemment, qui a été développée en 2002 et qui a été rendue libre et public en 2010. Alors, c'est une sous-gamme qui a été créée non pas pour les ch'tites d'enfants, comme diraient certains, mais pour les adultes et pour les entreprises, puisque c'est un moyen de favoriser la communication, la résolution de problèmes, la réflexion au sein d'une entreprise. Je m'explique. En entreprise, il y a ce qu'on appelle des journées de cohésion. Alors, les journées de cohésion, si vous ne savez pas ce que c'est très simple, et sûrement que si vous êtes dans des études supérieures, et plus particulièrement axé dans le commerce, ce terme vous parle. Les journées de cohésion, c'est tout simplement lorsque le patron d'une entreprise décide d'organiser un moment avec ses salariés pour pouvoir renforcer les liens de l'équipe, pour pouvoir ensuite permettre de travailler dans de meilleures conditions, qu'il y ait moins de conflits, que les gens s'entendent mieux. Ça, c'est, on va dire, le principe de base. Et dans ces journées, il peut y avoir pas mal d'activités. Ça peut être des escape games qui sont très en vogue en ce moment, ça peut être tout simplement de faire des jeux de société, ça peut être un énorme séminaire relativement relou parce qu'il y a seulement des petites milliardises à la fin du séminaire et c'est pour ça que tout le monde y va. Ça peut être sous forme d'une sortie culturelle, ça peut être sous forme d'une sortie sportive. Bref, c'est à l'employeur de décider ce qu'il veut faire. LEGO Serious Play intervient dans ce genre de journée, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont spécialisés dans les Serious Play qui vont venir au sein de l'entreprise et qui vont dire bon bah voilà les gars, aujourd'hui je vous propose des petits jeux avec des LEGO et on va réfléchir autrement, on va communiquer autrement, etc. etc. Alors de quoi c'est composé ces LEGO Serious Play? LEGO Serious Play c'est composé de pièces que vous pouvez trouver dans n'importe quel set et n'importe quelle boîte LEGO, voilà donc ce sont ces pièces-là, mais qui ont été choisies spécifiquement parce qu'elles peuvent renvoyer quelque chose, parce qu'elles permettent de faire telle ou telle combinaison qui vont être intéressante lorsque vous travaillez votre com, lorsque vous travaillez la résolution d'un problème, etc. C'est pour ça que les boîtes sont divisées sous plusieurs noms. Vous avez le kit de construction, vous avez le kit extérieur et le kit connexion, je crois. Donc voilà, il y a deux très très gros kits qui coûtent aux alentours de 750 € et qui font plus de 2200 pièces. Et vous avez un plus petit kit qui est le kit de démarrage, qui est le kit que j'ai ici. On va aller ouvrir dans quelques instants pour découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors vous vous en doutez, si je vous parle aujourd'hui des LEGO Serious Play, c'est que ça aura un rapport avec la vidéo que je vais vous faire en mi-décembre. Je ne vous en dis pas plus, à vous. Si vous voulez théoriser dans les commentaires, vous pouvez le faire bien évidemment. Et puis on se retrouve très très vite pour pouvoir ouvrir cette boîte Serious Play et découvrir ce qu'il s'y cache. On se retrouve avec notre boîte Serious Play qui est plutôt jolie, j'aime pas mal le design. On retrouve des petits dessins comme si c'était des petites esquisses de ce que l'on pouvait faire sur notre boîte. On a donc le LEGO Serious Play avec une brique LEGO, 219 pièces, building toy, bon voilà, jouet de construction, on rappelle ce que c'est. On a la marque LEGO, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a la marque Duplo, donc on suppose que nous aurons sûrement des Duplo au sein de cette boîte. Le dos de la boîte est comme ceci, on a toujours ce petit palmier, une petite main avec un petit œil. Bon voilà, ça peut nous donner des informations sur ce que l'on va trouver dans cette boîte. Donc, je me munis de mes petits ciseaux qui sont là et on va aller regarder tout de suite ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà ce qui est intéressant, on retrouve des très grosses pièces Duplo, on retrouve aussi de plus petites pièces LEGO, on a des transparentes, on a aussi quelques pièces techniques. Qu'est-ce qu'on a là? On a des pièces d'argent et des lingots, on a aussi des ficelles et un tube, donc là on est plus sur quelque chose d'accessoire, pourquoi pas. Ici on a un casque de chevalier en or, on a des petites pièces encore une fois techniques, on a de la pièce transparente. Assez intéressant parce que pour l'instant, les sachets ne me parlent pas, c'est-à-dire que je ne dégage pas un thème particulier, on va voir pour après. Ah, là, par contre, c'est un peu plus clair, j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose de décor naturel. On a du vert, on a du beige, on a du brown, on a même des petits végétaux qui sont cachés par ici. Donc pour moi, c'est un peu plus parlant, on dirait presque un sachet Minecraft, celui-là. Et ici, on a quelque chose avec des plus grosses pièces, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de structure, on a une échelle, on a une sorte de pilier, bon d'accord, on a une liane qui est là, très bien. Et pour terminer, un petit sachet, là aussi, avec des plus petites pièces, on a une tête.
On a un casque avec une deuxième tête. J'ai vu aussi une tête de squelette, je crois, qui est là. Ok, donc pour l'instant, les sachets ne sont pas très clairs. Peut-être que la notice qui est livrée avec va nous éclairer. Alors la notice, elle est comme ceci, elle est noire, elle est assez basique, assez épurée. En première page, on a un Lego Brictionary avec les bricks, les plates, les gears, les axles and connectors, wheels, tires and bearings, hinges and turntables, minifigures and window of opportunity. Oh, ok, j'ai eu du mal à le lire, mais d'accord. C'est une fenêtre d'opportunité. Bon, il y avait eu un petit jeu de mots. A flag and a pole or just bricks. Ok, alors on a une petite information ici. 102 981 500. C'est le nombre de façons différentes que vous avez de combiner des 6-8 studs bricks, donc c'est des 6 par 8 de la même couleur. Si vous n'avez pas ce temps là, vous pouvez essayer des 3 par 8. Non, je savais pas que ça existait des 3 par 8. Ça se trouve, je vous dis une bêtise parce que j'ai pas l'impression que ça soit la même façon de compter les studs que nous. De la même couleur, vous en avez pour 1600 façons et avec des 2-8 studs, vous en avez pour 24 façons. Bon, je comprends pas tout à fait le 6-8 studs. Si jamais vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez pas parce que autant des 6 par 8 ça existe, des 2 par 8 ça existe aussi, mais des 3 par 8. J'ai jamais vu ça, donc pourquoi pas, why not. On a ensuite une petite introduction qui est là, qui est le résumé de ce qu'est les Lego Serious Play, à quoi ça sert. Ensuite ça concerne plutôt ceux qui les utilisent à des fins professionnelles, donc avec la manière dont se déroule une après-midi en Serious Play. Et voilà, et là on a des petites idées de jeux, donc ça peut être assez intéressant, vous pouvez le voir. Voilà, on a un premier modèle, pourquoi pas pour construire une sorte de canard. Ok, là on est sur un morse, et là on est sur, oui, bon, je ne connais pas tous les trucs, bon d'accord, on est sur en fait des constructions métaphoriques, c'est-à-dire que le but c'est de faire comprendre des choses aux gens par des constructions et par des métaphores. Donc en fait il y a plein de petits exercices, c'est plus un livret d'instruction, un livret d'exercice pur et dur, que un livret de construction comme on en a eu dans les boîtes précédentes, dans les sets officiels Lego. En tout cas c'est intéressant à voir, on peut voir qu'on a pas mal de pièces différentes, donc ça c'est assez cool. Voilà, 200 et quelques pièces, 274 si je ne vous dis pas de bêtises, non 219 pièces, voilà, qui vont vraiment de la brique basique en 2x4 à d'énormes pièces Duplo, en passant par des roues, par des axes de connexion, par des gears, voilà, des roues crantées qui sont juste là. Donc voilà, franchement il y a pas mal de pièces. Écoutez, c'était une petite vidéo découverte des Lego Serious Play, donc au final ça résume assez quand même quelque chose de professionnel, dans le sens où c'est pas des pièces qui ont été posées là dans ces sachets pour s'amuser, hein. Vous pouvez voir que c'est assez compliqué d'imaginer quelque chose à construire avec. Toutefois on peut penser que ça va permettre à certaines personnes de se dire, bon bah voilà, si jamais je veux passer au-delà d'un problème, quelles sont les solutions qui peuvent exister avec ces pièces là c'est assez intéressant de pouvoir penser ça, c'est assez intéressant aussi de pouvoir travailler avec le Lego, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça aura rapport forcément avec cette vidéo qui va sortir mi-décembre. En tout cas j'espère que vous avez aimé ce petit concept de découverte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous voulez que je découvre d'autres petites choses qui ont rapport avec le Lego. Si vous avez d'autres questions sur le Serious Play, je vous invite aussi à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'essaie de répondre à tous vos commentaires et ça sera très intéressant parce que ça me permettra aussi d'étancher ma soif de connaissances sur les Lego Serious Play. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne matinée, journée, soirée, nuit, bonheur, santé, etc., etc., en cette approche des fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve très prochainement pour les ouvertures de calendrier de l'Avent, pour des petites reviews, pour des petits mocks. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, construisez bien et à la prochaine, ciao les gars.